Je me présente, je m'appelle Ingrid Monnier, je suis juriste et en fait je suis inscrite au DU Apprendre par le jeu. En définitive, je travaille sur un jeu sur la protection des données dans le cadre de cette formation. Et j'ai le plaisir, dans le cadre de ce temps fort, de vous présenter maintenant Nathalie et David Thomas, qui, de la société CoSpace Edu, qui vont intervenir sur une présentation qui a pour thème la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, je vous laisse vous présenter et nous faire partager. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très honorés de participer à cette conférence d'aujourd'hui. Présente, je suis Nathalie Thomas et je suis professeure d'histoire géo et de français latin au collège de Bertincourt, dans un petit collège rural avec des élèves en très grosses difficultés sociales et scolaires, avec des élèves en fait qui sont aussi très décrocheurs. La ludopédagogie, pour nous, avec David, c'est vraiment la base de notre pédagogie, puisqu'il faut rapprocher les élèves qui travaillent très peu à la maison. On a quand même pratiquement 2/3 des élèves qui n'apprennent pas leurs leçons. Il faut motiver nos petites troupes et on a décidé de se lancer récemment dans des exercices en réalité augmentée, réalité virtuelle, grâce à une application que nous avons découverte cet été qui s'appelle CoSpace Edu, qui permet de faire des exercices, des escape games, des parcours de révision ou des musées virtuels qui intéressent vraiment les élèves. Tout de suite, je pense que je vais commencer par vous montrer un exemple de réalisation. Donc ça, c'est un exercice qui a été réalisé avec Cospes, pour des élèves de 6e. Ça a été mis en place au mois de décembre pour réviser toutes les notions qu'on avait vues en français latin. Les élèves ont assisté à mon triomphe. Enfin, je suis une déesse et je vais les forcer à parler le latin, sauf s'ils arrivent à me déloger de mon lit qui se trouve en fait un peu plus loin. Donc là, en fait, je vous montre la première scène. Donc, j'ai bien expliqué au départ, hein, dans un petit message, que les élèves devaient répondre à 5 questions avant d'ouvrir la porte. Donc là, la porte est fermée. L'élève devra répondre à 5 questions de cours. Donc en fait, ce sont des quiz qui sont interactifs et qui passionnent les gamins, hein. Donc, comment j'écris 10 en chiffres romains? Je vais faire exprès de me tromper. Ah. Petit bug. Ah, bon, il y a des petits lags apparemment. En tout cas, l'élève doit répondre correctement à 5 questions avant de pouvoir ouvrir la porte. Donc là, il a eu un message, encore une bonne réponse, etc. Et puis, quand il a répondu à ces 5 questions, il se retourne vers la porte s'ouvre et il tombe sur une autre scène. Donc là, il va voir mes chats qui sont forcément méchants et affreux, puisque je suis une méchante sorcière. Et il se retrouve dans un parcours. Alors, c'est un parcours de révision. Quand ils seront arrivés tout au bout, ils auront la possibilité de visiter ma maison et d'aller me retrouver dans mon lit, de me réveiller, de me capturer, pour qu'ensuite ils puissent reparler le français. Voilà un petit chat, il pose une question. Donc, c'est sur le même principe, hein. Donc, kilo, ça veut dire 1000. Ils cliquent, ils ont la bonne réponse et le chat disparaît. Alors, en fait, si j'ai voulu vous montrer cet exercice ce matin, c'est parce que je voulais vous montrer la simplicité de Cospes. Alors, même si ça paraît peut-être un peu quelque chose de compliqué à mettre en place, finalement, en fait, ça n'est pas du tout, puisque Cospes est une vaste communauté où on partage nos modèles, où on peut donc les reprendre et les modifier en fait comme on veut et ensuite les repartager. Donc là, je vous montre ici
Donc ça, c'est le travail que j'ai réalisé pour mes élèves, mais ce n'est pas moi qui ai créé la scène. La scène, elle a été créée par l'équipe Cospes. Alors, il faut que je retrouve le lien. Voilà. Elle a été créée par l'équipe Cospes. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement rajouté des interactions sur les personnages. J'ai rajouté des scènes. J'ai rajouté mes quiz. Et entre guillemets, voilà, c'est tout. Donc, vous savez, ça peut paraître impressionnant comme, comme réalisation, mais ça n'est pas du tout. Si on reprend les modèles qui sont partagés par la communauté. Donc là, en fait, je peux vous montrer hein, comment ça fonctionne. C'est très, très simple d'utilisation. Donc là, j'ai repris le parcours complet. Moi, j'ai juste rajouté les chats et les quiz. Donc, Cospes permet... on a tout un panel de personnages, d'animaux, d'objets, qui permettent en fait de réaliser des scènes ou les exercices que l'on souhaite. Donc là, par exemple, hein, j'avais décidé de mettre des chats. Donc je peux vous montrer comment ça fonctionne et vous montrer en fait la simplicité de la réalisation. Donc je vais dupliquer mon chat, par exemple. Je décide de changer sa couleur. Je vais mettre un chat noir. Je décide de l'animer. Donc, je vais dire, tiens, il est fatigué, il est en train de dormir. Voilà. Et puis, maintenant, je peux lui dire aussi, tiens, il va nous dire, je suis fatigué. Donc, j'ai créé mon espace de jeu. Il ne reste plus que maintenant à coder tout ça pour que... les élèves puissent par exemple avoir des exercices, des quiz. Donc en fait, quand on regarde bien, la codification se fait un peu sur le modèle Scratch. C'est super facile d'utilisation puisque les blocs de Scratch sont déjà créés. Donc en fait, on a juste à choisir ce que l'on veut faire avec les personnages que l'on a décidé de mettre dans les espaces qui ont été dédiés. Donc, par exemple, ici, je décide de prendre mon chat numéro 7 et puis à moi de choisir ce que je veux faire. Est-ce qu'il va dire « Salut ». Je me suis trompée, je mets à la poubelle. Est-ce que je veux faire un quiz à destination de mes élèves? Dans ce cas-là, j'ai juste à rentrer une question, je mets une réponse et je choisis la réponse qui est juste. Et puis, donc après, hein, c'est un peu de code, mais vraiment, tout est prévu dans Cospes, puisque je peux lui dire ce qui se passe quand c'est correct et ce qui se passe en fait quand c'est faux. Donc, moi, j'aime bien, pour les embêter un petit peu et puis pour les faire râler, j'aime bien faire redémarrer la scène quand c'est incorrect. Comme ça, en fait, ils sont obligés de retravailler et. De refaire en fait des exercices s'ils ont fait des erreurs. Voilà. Donc ça, c'est la base de Cospes. Donc moi, j'utilise beaucoup ces exercices qui sont déjà faits par la communauté parce que je n'ai pas le temps et puis je n'ai pas envie de me lancer dans des créations. Par contre, David, lui, il prendra la parole par la suite. Lui aime bien justement créer par lui-même. En fait, chacun peut faire ce qu'il veut avec Cospes. Je peux vous montrer une autre réalisation, cette fois-ci en géographie. Donc, il faut savoir aussi que Cospes est très peu connu en France. Il est surtout utilisé dans les pays de langue anglo-saxonne ou de langue arabe. Et donc, en France, il n'est pas encore très bien utilisé. C'est pour ça ici qu'on a fait un exercice à destination des personnes anglo-saxonnes et qui pourraient le réutiliser par la suite. Donc là, on a un monument et l'élève doit se repérer en fait sur la carte, hein, et exercice de géographie. Donc là, je vais faire l'espoir de me tromper. Ah ben non. Par contre, ici, c'est la Statue de la Liberté. On peut aller voir aux États-Unis. Ah. Voilà. En tout cas, il y a un message d'erreur qui apparaît quand l'élève se trompe. Ce qui est intéressant aussi pour préparer des STLM, c'est l'utilisation d'images en 360 degrés.
Donc là, c'est une image en 360 en fait, qui a été prise, mise dans Cospès, et on peut donc l'animer comme on veut. Donc là, ici, on a mis un petit oiseau, une porte pour aller, par exemple, à l'image de vente. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de personnages, etc., ça peut prendre un petit peu de temps, mais. En fait, je peux vous montrer en attendant ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la galerie. Donc, quand on se connecte sur Cospès, on a tout de suite accès à la galerie où on peut choisir un modèle. Et s'il y a ce style-là, il sera donc réutilisable. Là, il est seulement consultable, mais il est réutilisable. Donc, en fait, il s'installe en fait, dans notre compte et on peut le réutiliser comme on veut. Donc, moi, par exemple, j'avais pris le Triomphe romain. Je l'ai modifié et après je l'ai repartagé. Comme ça, en fait, si certains collègues sont intéressés par l'exercice avec le code déjà tout fait et les quiz déjà intégrés, ils peuvent le reprendre et le retransformer aussi à leur propre guise. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a des réalisations qui sont très, très belles, qui intéressent et qui motivent vraiment les élèves. Avec aussi une possibilité qui est double. Donc, soit, comme moi, on reprend les modèles qui sont déjà existants, on les transforme, on les améliore, on les fait en fait à notre sauce. Ou alors, comme David va vous montrer après, on peut utiliser les fonctionnalités pour créer nous-mêmes nos propres parcours. Voilà, on peut mettre du son, on peut mettre des liens vers des vidéos, vers des liens Internet, vers d'autres lieux. Vraiment, Cospès, en fait, permet un codage très simple, mais vraiment déjà très, très perfectionné. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. À toi, David. C'est bon? C'est bon? Non, tu n'as pas fini de partager, mais je ne peux pas. Il faut que tu coupes le truc vert en haut, je pense. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite. Alors, dans une version un peu plus complexe, mais du coup plus chronophage, on peut effectivement améliorer les modèles de départ. Donc, par exemple, en téléchargeant donc, des modèles qui sont déjà dans Cospace ou en téléchargeant des modèles gratuits qu'on trouve, par exemple, sur Free3D ou Culse3D. Je vais vous montrer l'exemple ici d'une ville romaine. En fait, dans le cadre de la révision d'une leçon sur la romanisation, j'ai repris le quartier ici, le quartier que Nathalie vous a montré tout à l'heure, dans lequel j'ai intégré d'autres éléments qu'on trouve, donc ici une villa, un aqueduc et des modèles 3D récupérés sur Culse3D. Une partie de l'écran qui me gêne. Alors, cette ville romaine, voilà à quoi elle ressemble, de ce fait. Donc, le message de présentation pour les élèves. Et puis, je peux me promener, comme tout à l'heure. Donc là, c'est le quartier de la célébration qui avait été utilisé par Nathalie tout à l'heure. Et puis, j'ai rajouté bon, voilà, un temple, un aqueduc qui était déjà partagé, un terme. Ça, c'est un modèle 3D de temple récupéré. Alors, l'objectif dans ce parcours, c'est de réviser la leçon. Mais pour réviser la leçon, ben, en fait, au lieu de donner un simple quiz comme d'habitude, c'est d'organiser ça sous forme d'un jeu. Donc, je trouve la prêtresse ici. J'ai un serpent à côté. Donc, la prêtresse évanouie. Le serpent vient de s'enfuir. Donc, le serpent, en fait, on va le voir passer juste ici. Hop, il est parti par là. Et donc, il faut que je trouve une solution pour que ma prêtresse soit réanimée et qu'elle m'aide à me guider. J'ai une villa qui est à gauche. Pour l'instant, moi, je ne peux pas y pénétrer. On m'a demandé de trouver Obélix au tout début. Hein. Donc, tiens, il y en a un là. On m'a dit la grande statue, c'est pas la bonne. Une petite fille. Je vais me déguiser pour aller à la parade. Il me faut un glaive, un casque. Bon. Je ne vais pas vous faire tout le jeu. En fait, l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, les élèves vont devoir répondre à des questions
pour débloquer des indications ou des options. Donc, en allant chercher la grande statue d'Obélix qui est là-bas derrière, je dois répondre à une première question qui me dit, bah, justement, va à la villa. Donc, je vais à la villa. J'ai deux gardes qui me bloquent l'accès. Pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la villa, il n'y a pas moyen. En fait, il y a une porte qui est là-bas sur le côté, mais je l'ai bloquée, puis il y a un chien qui me protège. Si j'essaye de passer au-dessus, c'est impossible. Donc, je suis obligé de discuter avec mes gardes. Et en fait, mes gardes, c'est un prétexte pour me poser une question de cours, tout simplement. Donc, c'est une domus. Hop, j'ai donné une bonne réponse. Le second garde, du coup, me demande une autre chose. Et là, du coup, je l'ai programmé pour que mes deux gardes me laissent passer. Je peux pénétrer dans ma villa. Passage bloqué, je continue de visiter. Alors bon, normalement, les élèves cherchent, moi je sais ce que je dois trouver. Alors je mangerai bien une part de gâteau, et ça tombe bien. Sur le côté ici, il y a un repas, un banquet, une part de gâteau, je la prends, elle a disparu. Donc elle est rentrée dans mes variables. Et lorsque je la rends au personnage, il me répond autre chose. En fait, j'ai rempli une mission, donc il me propose une autre solution. De ce fait, il a libéré la servante qui bloquait le passage. Ah. Il me libère la servante ici. Il m'a pas pris. Ah voilà, il n'avait pas pris en compte la question. En montant, je vais trouver le glaive et le casque que la petite fille qui était à l'extérieur me demandait tout à l'heure. Je pourrais continuer mon aventure. Bon, ça, voilà. Pour le principe, voilà comment ça se passe. Donc j'ai plusieurs scènes, bien sûr, ça se passe en quatre scènes. En fait, à travers les quatre scènes, je révise l'ensemble de la leçon, ce qui permet de changer un peu de thème par rapport à Quizzes, en fait. Alors bien sûr, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe dans la mise en forme, mais c'est un peu plus complexe aussi dans le code. Alors par exemple, dans la mise en forme, j'ai ici un exemple sur un château. Donc ça, c'est un modèle 3D, c'est un modèle de mode féodal en 3D. Que j'ai réutilisé tel quel, sauf que ben voilà, il est en blanc, c'est pas très très joli. Et donc j'en ai reconstruit un autre. Donc là, ça va demander un peu de temps de chargement parce qu'effectivement, il y a énormément d'éléments à charger. En attendant qu'il charge, je vais vous parler de ceci. Donc en fait, au moment du partage final, lorsque le travail est terminé, on obtient ce carré-là. On peut partager aux élèves soit un code pour qu'ils tapent dans leur application, soit on peut leur donner un QR code, tout simplement, qu'ils flashent avec une tablette ou un téléphone. On peut distribuer un lien de partage si on veut utiliser en mode navigateur, ou on peut intégrer également nos QSpace à l'intérieur d'autres fonctions. Par exemple, nous, on utilise énormément Geniali, et donc on peut intégrer nos Cospace dans Geniali, ce qui permet, par exemple, d'avoir une partie ludique réalisée avec Geniali et les extensions Skype, une partie ludique avec des modules réalisés avec VTS Editor, par exemple, et puis cette partie avec Cospace. En fait, on peut mixer pour éviter peut-être de lasser un peu les élèves et leur proposer d'autres supports. Voilà. Alors, voilà ma mode féodale. Alors, elle n'est pas parfaite, parce que si vous regardez bien, il y a des petits trous, etc. Mais quand on regarde la création, en fait, ce sont tous les objets que j'ai dû ajouter pour réaliser. Et donc, il doit y avoir 200, 220, je crois, poteaux plantés, etc. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous disais que c'était chronophage, effectivement, le fait d'implanter tous les éléments un par un, ça demande beaucoup de temps. Au niveau code, bon là le code reste relativement facile, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, Nathalie, hein, voilà, là j'ai décidé que j'ai un chevalier qui se promènerait, donc j'ai un chevalier qui fait sa ronde, qui se promène dans le chemin. J'ai décidé que si je cliquais sur le cochon qui était ici, hop, il me faisait un grand rond. Donc ça, c'est moi qui ai choisi. Et puis j'ai décidé aussi d'y activer des jeux. Alors j'ai défini par exemple une variable licorne. La variable licorne, quand je vais cliquer sur ma licorne, elle va me dire « je ne parle pas aux inconnus, sauf s'ils sont gentils, trouve-moi quelque chose qui me ferait plaisir. » Bon, en gros, il faut que je cherche ici quelque chose. Le chemin est bloqué,
En fait, je trouve une carotte qui se trouve là derrière. C'est pour ça que j'ai défini une variable carotte. Quand j'ai trouvé ma carotte, ma variable va s'activer. Je peux retourner voir ma licorne. Et comme ma licorne a reçu sa carotte, elle me propose autre chose. Elle me propose du coup une autre réponse. Elle me propose une question de cours, tout le même principe que tout à l'heure. Et elle va me libérer le chemin. C'est-à-dire que là, ce chemin va se libérer. Je vais pouvoir monter, rencontrer un autre personnage. Et en fait, on enchaîne comme ça des actions. C'est-à-dire que si on n'a pas réalisé une première action, et on ne peut pas progresser dans le jeu, on ne peut pas accéder à la phase 2, et, etc., etc. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à enchaîner, à rendre ça ludique. Les éléments sont là. Par exemple, si vous regardez, j'ai un bouclier noir, j'ai une épée noire, j'ai un casque noir. Sauf qu'au début du jeu, bah, ils sont invisibles. Et je ne les fais apparaître que quand les élèves sont capables de répondre à des questions, et ce qui permet de ludifier en fait, l'ensemble du parcours. Là, ça reste encore du code relativement simple. C'est relativement facile. En code un peu plus dur, j'ai ici un exemple de Mario Kart. Voilà, c'est pareil, c'était juste pour le plaisir de faire quelque chose d'un peu plus costaud. On a deux voitures, et en fait, les deux voitures vont se lancer dans une course, donc Yoshi d'un côté et Mario de l'autre. Donc en fait, avec les touches du clavier, je peux bouger mes véhicules et je ramasse les pièces au fur et à mesure. On voit le score qui apparaît là, ici. Donc avec le codage, en fait, on arrive à faire apparaître les pièces. Regardez, là, c'est la dernière qui est présente. Si je la ramasse, celle de la suivante apparaît. En fait, ça oblige les concurrents à suivre le parcours et ne pas couper, à prendre le chemin à l'envers. On a également la carapace bleue qui fait perdre des pièces, par exemple. Donc voilà, ça, on est dans du codage qui est un peu plus complexe. Et pour les élèves, par contre, c'est très ludique. L'intérêt de CoSpace, c'est qu'on peut travailler à la fois pour nous, c'est-à-dire que l'enseignant peut travailler tout seul, mais on peut aussi inviter nos élèves. C'est-à-dire que dans la version complète, en fait, on a une licence qui permet d'inviter jusqu'à 99 élèves avec nous. Donc on peut créer des classes. Et par exemple, pour notre matière, ça ne s'y prête pas trop, mais par exemple, pour un prof de technologie ou un prof de maths qui font du co-bloc, on peut faire de la programmation, enfin, qui font du scratch, pardon, on peut faire de la programmation avec les co-blocs de CoSpace, et ça, en fait, ça ressemble énormément, c'est presque la même chose. Alors, je reviens sur une fonctionnalité qu'on n'a pas encore évoquée, donc c'est la possibilité aussi de faire de la réalité augmentée avec. Par exemple, les cubes, les merge cubes. Alors, le merge cube, c'est quelque chose qu'on peut acheter sous forme, voilà, un cube en plastique, ou c'est quelque chose qu'on peut également imprimer. On trouve des patrons sur Internet. Et donc, par exemple, on a imprimé un patron. Et dans le même ordre d'idée que tout à l'heure, en fait, on crée un jeu. Donc, par exemple, ici, hop. C'est un jeu qui est prévu pour un merge cube, mais je peux faire en navigateur. Donc, c'est un globe terrestre. Et en fait, les élèves doivent cliquer sur les différentes épingles. Alors, une version, test, où on leur donne des infos. Ben voilà, c'est l'Europe, etc., etc. Et puis, ici, une version jeu, où ils se promènent et on leur dit, ben voilà, trouve l'Europe. Ensuite, trouve l'Afrique. Donc là, je trouve l'Afrique. Donc là, c'est la version navigateur. Je vais vous montrer ce que ça donne, une version téléphone. Alors, c'est Nathalie, dans le cadre des projets Tram académiques, qui avait réalisé cette application. Ah, la vidéo ne part pas. Ah, j'ai un bug technique, je ne sais pas ce qui se passe, la vidéo ne peut pas se lancer. Si vous voulez, on peut d'ores et déjà répondre. Bon, tant pis, on va passer. En fait, c'était pour vous montrer que ce qu'on aperçoit ce cube noir, et en fait, quand on filme avec le téléphone ou avec une tablette, apparaît un modèle en 3D
qui se superposent. Par exemple, là, ça serait le modèle du globe. Si on était dit, c'était des phases de documents ou de vidéos qu'avaient réalisées les élèves. Et donc, en bougeant les faces, les différentes faces du cube, on aperçoit différents éléments qu'on veut proposer aux élèves. Je vais revoir si... Ah ben voilà, ça y est. C'est un travail sur les Hauts-de-France. On ne voit pas très très bien. En fait, c'est une question qui était posée, une présentation qui était posée par un animateur. Et en fait, l'élève devait cliquer sur la carte du Nord-Pas-de-Calais, l'un des lieux qui était proposé. Donc, l'élève filme son cube et clique sur son téléphone ou sa tablette pour pouvoir interagir avec le cube, avec le merge cube. Donc, voilà pour l'idée. Je vois qu'il est un peu tard. Alors, pour conclure, alors, tout à l'heure, j'avais vu passer dans le chat, demander si c'était payant ou gratuit. Alors, effectivement, Cospace a une version gratuite, mais qui est limitée dans le temps, limitée dans les possibilités, pardon, donc limitée dans le nombre d'étudiants, limitée dans le nombre de réalisations possibles. Par contre, la version payante peut en partie être financée par les établissements parfois, les intendants parfois acceptent de financer. Donc, lorsqu'on a une version payante éducative, en fait, on peut inviter jusqu'à 100 élèves, créer les classes, etc. Dans les deux cas, on a des modèles 3D qui sont déjà proposés, mais bien sûr, avec la version qui est payante, il est possible d'avoir plus de possibilités à la fois dans les types de co-blocs et dans les modèles récupérables. Si jamais vous êtes intéressé, comme on est ambassadeur là, depuis quelques temps, on a la possibilité d'offrir un code d'essai gratuit pendant un mois. Donc, c'est les codes que vous trouvez ici, ce qui vous permet en fait, de tester le logiciel avant de payer et de voir toutes ces possibilités. Je ne sais pas si les deux codes sont cumulables. En tout cas, c'est 30 jours d'essai gratuit. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait trouvé un code comme ça. Et c'est vrai que du coup, on avait pu découvrir et puis terminer d'approfondir nos connaissances avec. Alors, je vais en rester là, voir si vous avez des questions à poser. Oui, en fait, dans le chat, il y a un certain nombre de questions, à savoir si notamment on peut intégrer des vidéos dans l'application. Oui, on peut insérer des vidéos YouTube ou alors mettre un lien directement vers un Drive. Et une question aussi assez pertinente, est-ce qu'on peut faire plusieurs leçons en même temps à travers l'utilisation de cet outil, simultanément? Ou est-ce qu'il faut deux comptes distincts? Non, une fois. L'utilisateur peut faire le suivi de deux leçons simultanément avec un même compte utilisateur, en fait. Oui, on peut créer autant d'exercices que l'on veut. Moi, par exemple, ce que je vous ai montré là sur l'exercice de sixième en FCA, je l'ai dupliqué à deux reprises. Et donc, en fait, j'ai utilisé le même modèle, mais avec des quiz différents pour mes latinistes de cinquième et de quatrième. D'accord. Et on peut aussi partager tout à l'heure avec la version pro, en fait, on peut être plusieurs enseignants sur le même compte. C'est-à-dire que dans les 100 licences, il peut très bien y avoir deux profs et 98 élèves, du coup, créer des classes différentes et on peut interagir avec les élèves ou nous, entre profs, co-créer, en fait. Voilà, c'était vraiment le sens de la question. Et pour le suivi des résultats par rapport aux exercices et à l'évaluation des élèves, comment vous procédez? Alors déjà, il y a une très grande motivation de la part des élèves. On n'a aucun abandon. Quand on propose ce genre d'exercice, les élèves veulent aller jusqu'au bout. Ils sont même frustrés quand ils perdent un petit peu de temps, quand ils ont du mal à se débrouiller avec la réalité virtuelle. Je peux proposer un exercice sous forme de quiz, on va dire au format traditionnel, sur une fiche de papier. On aura des abandons avec ce genre d'exercice, il n'y en a pas. Hier, par exemple, j'ai fait réviser à mes élèves de 5e la première déclinaison latine. Je vous assure qu'ils ont travaillé pendant une demi-heure. Si je leur avais balancé un tableau de déclinaison, je ne pense pas que j'aurais le même résultat. Voilà. Donc déjà, ça se mesure à la motivation et après au fait aussi qu'ils retiennent des choses, puisque à force de se tromper, ils vont apprendre de leurs erreurs.
D'accord. Et donc, vous avez une interface à proprement parler pour le suivi des élèves en tant que tel intégré à l'application? Non. Non, d'accord. Et une autre question, en fait, concernant les ressources côté élèves, est-ce qu'ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de l'interface avec un simple téléphone ou est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour utiliser Bah en fait, au niveau de la conception, ça faut travailler à la tablette ou à l'ordinateur. Le téléphone, c'est vraiment pour visualiser l'Indeco Space, en fait, pour travailler sur quelque chose qui est déjà réalisé. Par contre, pour la conception, j'imagine pas créer quelque chose avec le téléphone. Parce que quand on ouvre l'écran avec la partie création et à côté la partie code, c'est bien d'avoir un grand écran pour voir l'ensemble de ce qui est possible. Donc, pour moi, c'est plus vraiment par ordinateur. On conçoit par ordinateur. D'accord. Et une autre question. Enfin, vous utilisez les modèles qui sont présentés dans l'interface. Il y en a déjà qui sont préfabriqués, entre guillemets. Et ça va jusqu'à quelle tranche d'âge, quel public, en fait en général, c'est plutôt le primaire, le collège, le lycée. Est-ce que vous avez un panel large de possibles ou c'est plutôt ciblé jeune enfant? En fait, c'est la personne qui décide de faire l'exercice, qui choisit la difficulté et qui choisit aussi les apprenants à qui il s'adresse. On peut faire des QCM, on peut faire des escape games. En fait, il n'y a pas de limite. La limite, c'est l'imagination et de la personne qui veut concevoir l'exercice. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et qui nous a fait découvrir un peu toutes les possibilités de cet outil assez puissant. Merci à vous. Merci.